Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en live pour vous présenter deux endroits secrets, on va dire. Donc la première se retrouve ici, hein, pas loin de la du centre-ville et pas loin de la base militaire. Donc voilà, c'est oui un petit chemin cours d'eau, une petite rivière. Vous mettez le point comme moi, où je suis là sur la map. Moi je suis venu en hélico, ça va plus vite, bien sûr. Regardez ce magnifique coucher de soleil qui marche, je déconne. C'est pas pour ça, on va remonter plus le haut. Il faut une lumière, donc lampe-torche ou pas. Vous allez voir, il y a une grotte cachée par ici. Et ouais les amis, regardez, il y a une grotte. Ça peut être vraiment cool pour se planquer là, pour faire peur aux gens, vous avez vu. Et non, c'est pas le trou du cul de la montagne. Non, je déconne. Enfin, ça, faut bien rire. Voilà, c'est bien une grotte. On est vraiment magnifique, c'est vraiment bien. Bon là, parce qu'il fait nuit, donc il fait jour. Et quand il fait nuit, ça doit bien flipper pour se planquer ici. Faire des petites vidéos, s'amuser le jour d'Halloween ou même pas le noir, une personne habillée tout en noir là-dedans, vous mettez ici juste là en snap. Imaginez une chose ici en snap, yep, la personne qui est en face, boum, c'est vraiment stylé. Non, du coup, voilà, c'était pour vous montrer. Je vais vous montrer encore une fois sur la map où se retrouve cet endroit, c'est juste ici. Vous avez vu, c'est vraiment une grotte vraiment cachée. Je sais pas si vous la connaissez, je trouve ça magnifique. Et je vais faire le bouquin, on va se retrouver à la deuxième endroit. Yeah, ça y est. Du coup, on se retrouve pas à la deuxième partie de la vidéo. Donc, ça se retrouve ici, en forme de U, je sais pas quoi, à côté de le Sotoscutum. Donc, à la base, soit qu'il faut deux, un pilote, ou soit vous pouvez descendre. Mais le souci, il faut, bah, soit si vous, vous sautez en parachute, il n'y a pas d'échelle en fait pour remonter. Soit vous sautez, mais le souci, vous avez une chance de mourir. Donc, il faut bien se mettre de ce côté. Pour bien sauter sous le petit muret sur le côté gauche, c'est un clocher en fait pour se planquer pour bah, pour les personnes qui sont venues au sniper. Du coup voilà, moi j'aime vraiment le toit du clocher, donc c'est vraiment pas facile pour se poser. C'est vraiment vous allez voir le petit trou qui est bah, les petites ouvertures, donc faut bien se poser et tout, mais c'est un peu chaud parce que bah, si vous loupez, bah, vous avez une chance de mourir. Et du coup voilà, j'aurais bien voulu me poser pour vous montrer ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc soit j'ai une chance, je me pose, ou soit je saute. Mais le souci, j'ai peur de me louper. Donc je sais pas quoi prendre. L'option 1, me poser, mais les hélices tapent dans, dans le bâtiment. Et je me loupe. Ou deuxième option, je saute et je risque de m'écraser quand même. Parce que bah j'ai risque de mourir. Je pense que je vais prendre la première option. Yes, j'ai réussi les amis, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà, c'est vraiment pas facile pour grimper. Il n'y a pas vraiment d'échelle. Donc vous mettez ici au snap. Pour les personnes qui sont super bons sur GTA au snap, vous êtes tranquille, personne ne vous voit, vous, vous mettez, je sais pas, en mode invisible ou n'importe quoi sur la map. Et voilà, vous êtes tranquille. Bon, c'est un endroit que on peut pas vraiment se planquer. On peut se planquer, mais on peut pas redescendre, il n'y a pas d'échelle, sinon il faut sauter. Donc je vais vous montrer le dément endroit, c'est juste ici, c'est le poste de police, je pense, c'est un poste de police qui fait partie de ça. C'est à côté de Los Santos Custom. Donc j'espère vraiment que vous allez kiffer cet endroit. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, de vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, bah dites-moi le en commentaire. Et moi je vous laisse sur les images de cette fin de cette vidéo. Moi je vous dis bon game à tous et ciao, bye bye.